te le redis ici, ce n'est pas les histoires que Coco Mimban fait. Méfie-toi. Je vais te donner un tout petit défi. Localise-moi là où tu es. Je te donne un tout petit défi au Cameroun là-bas. Que ce soit la première et la dernière fois que tu ouvres ce qui te sert de le jus du cul, si tu en as encore. Regarde-moi là, bam, c'est là. Là, tu parles les histoires de qui? Tu es malade dans ta tête. Quand tu ouvres ta sale bouche, tu dis que les abeilles, et les abeilles aident qui? Vous êtes malade, on vous a dit que je vis des associations et des dons. Il ne faut pas confondre tout le monde ici sur Internet. Hein? Ne pensez pas que comme vous, vous êtes arrivé là. Toi, la lion, tu es arrivé avec ton visage rond comme les chats de l'Algérie là. Tu es arrivé ici sur Internet, tu as deux objectifs. Venir en Europe et chercher le mari. Ce n'est pas avec mon nom, hein. Avec tes costauds yeux qui sont comme la cabine, imbécile, la chienne qu'on appelle compresseur, avec le sang rempli aux fesses. C'est moi qui lui ai mis le sang aux fesses. Une chienne. Tu es malade dans ta tête. On te dit que j'ai besoin des abeilles pour vivre. Je vis à temps et à contre-temps. Allez demander à Flore. Combien de fois? Je dis, allez demander à Flore si vous voulez qu'on entre dans la jeunesse. Ou parfois, moi-même, si là, dans ses marches, 1001 cadeaux m'ont été envoyés. Jamais je ne réclame pas. Je ne réclame pas. Je suis venu en Europe moi-même. Mais je vous dis tout ça. Ce n'est pas un quelconque regroupement familial. Donc, ça veut dire, en venant en Europe, je comptais déjà sur moi-même. Je n'ai pas aujourd'hui, demain, après-demain, je vais aller border. Je ne suis pas comme vous. D'accord? Je dis, je ne suis pas comme vous. Votre chose qu'on appelle compresseur, avec la dacre partout, le sang rempli aux fesses, le VIH posant, ce n'est pas moi qui lui a donné ça. Hein. Chaque fois que vous allez vous égarer comme ça, je vais faire sa VS encore. Jusqu'au jour, je vais faire la VS avec le corps. Compresseur, tu ne peux pas te comparer avec Lolo. Lolo et toi, c'est le jour et la nuit. Quand on veut parler de belle femme, Lolo dans belle femme, elle te bat. D'accord? On veut parler de la prestance. Dans la prestance, Lolo te bat. Vous êtes malade dans vos sales ciboules. Vous voulez contrôler les gens avec qui je marche. Le cul de vos mamans, vous tout autant que vous êtes. Vous vous appelez comment les abeilles? Je vous pisse dessus à grosses gouttes. Hey, regarde-moi la chienne là, elle se place avec ses gros yeux, les fortes paires de lèvres comme les serpillères, hein, avec un vaste cul, son nez comme son clitoris. Elle ouvre ses sales fesses. Tu es arrivé quand? Qui vous donne le courage là? Identifie-toi là où tu es au Cameroun maintenant. Elle te fait fouetter par une fille, pas un garçon. Il dit une petite fille. Elle te met le dos au sol dans n'importe quel quartier que tu as droit là. Je dis n'importe quel quartier. Moi, la chienne, là, vous êtes là-bas au Cameroun, le réfléchis comment tu vas faire ta vie ou bien rester tes placements. La lion, toi et moi, c'est le jour et la nuit. Là, moi, je suis ici, je dors en Europe, les blancs me payent. Qu'ils travaillent ou je ne travaille pas. C'est vous qui avez besoin de faire des alliances machiavéliques, vous soumettre, lécher les pieds. Dans ma culture, on ne fait pas le tindaïsme. On a du respect, la considération pour les gens, mais jamais dans ma culture, on ne fait pas comme ça. On ne lave pas les pieds. Vous êtes malade? Ça, qu'est-ce qui se passe dans vos cervelles? Pas moi les chiens là, oh, machin. Ou bien vous pensez, en fait, vous restez avec vos sales fesses qui moussent, tellement vos fesses sont sales. Vous restez, vous êtes assises. Mon mari gagne près de 7000 euros le mois. Je vous le redis bien, allez vérifier les salaires au Luxembourg. Il faut dire d'abord que vous restez tranquille sur certains points, ok? Et que si, même s'il ne me donne pas, je vais aller border. D'accord? On va me donner, il va les border. Parce que toutes ces chiennes-là, c'est des bordels, des prostituées, des mangeuses de caca. Imbécile champion. Champion pour venir crucifier les autres. Vous êtes malade en tant que des femmes. Donc on doit crucifier Lolo. On doit venir dire, je dois venir dire que oui, on a mis Lolo ici, vous êtes malade. Vous avez réclamé. Je vais entrer dans la Genèse. Quand on a publié Flore ici, là. Hein? On a eu la compassion pour Flore par rapport à quoi? C'est parce qu'on avait trouvé que l'acte que ces gens avaient posé n'était pas normal. D'accord? Là, moi, les moutons, là, vous pensez que les gens... On est en 2023, hein? On est en 2023, changé. Créez-vous des personnages. Je ne vis pas à travers les réseaux sociaux. Je n'ai pas une page monétisée. C'est vous qui restez au Cameroun avec les 1500 abonnés. Vous avez hâte de monétiser vos pages. Faites attention, vous allez finir comme Coco Lago. Regarde-moi la chienne là. Je fume le joint, le ganja, minimum par semaine pour 300 si c'est petit. Je dis minimum 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. De tout et de tout. Tu es malade, tu parles à qui? On te dit qu'il y a vu le mbeng de la pitié. Tu es bête, tu es cinglé, ils ont joui dans ta tête. Imbécile, va supplier tes mariages comme tu supplies tes mariages partout sur Internet. Regarde-moi la chienne, la lionne de quoi? La lionne du tindaïsme.
hein, avec la mousse au cul. Tu es malade, tu parles à qui? Tu ouvres ta sale bouche. Imbécile compresseur, c'est quoi? La chose, une voleuse de mari, quelque chose qu'on couille partout. Imbécile compresseur, entre d'être se faire attacher pour prendre son plaisir sexuellement et d'être battu par un homme qu'on a volé chez l'un de ses fans. Compresseur, tu es la pâle copie de la femme. Quand les femmes parlent, tu dois entrer en bas du... Donc, tu dois entrer en bas de la moire. Comment l'idiote, la SDF, à plus de 19 ans en Europe, c'est en 2022 que tu es venu avoir un contrat et les gens ne respirent pas. Tu es qui? Tu es quoi? Mbélas, bamo, azout. Kabet, un tout jom. Continuez toujours, vous les abeilles là. Continuez toujours, que d'or et suis dans mes choses. Vous faites votre sorcellerie. Je vais m'acharner sur l'écrit qu'on appelle compresseur. Avec les pipis et la bouillie mélangées dans le cerveau. Une chienne, à plus de 10 ans en Europe. Voilà. Voilà l'autre. Tu n'es pas différente de Coco Mimban. Les sorcières comme ça. Essayez-moi un jour, vous allez entendre ce qui sort de ma bouche. Essayez-moi un jour. Les conneries. Parce que je vois là où vous voulez en venir. Arrivez là où je veux que vous vous arriviez. Vous allez voir ce qui va se passer sur Facebook. Ça sera la fin de beaucoup de choses. Essayez. Comment les chiennes comme ça. Vous voulez diriger qui? Vous voulez diriger qui? Ça vous prend par où? Qu'est-ce qui se passe dans vos cervelles? Quand vous restez chez vous avec vos gros culs et vos vies qui ont raté. Imbécile. Donc, Flore, comme Flore marche avec compresseur là, hein, c'est normal pour vous. Moi, je n'ai pas le droit de marcher avec Lolo. Je marche avec Lolo et je marcherai avec pire. Comme vous pensez souvent que, en fait, vous oubliez que c'est une part. Je dis, je marcherai ici sur Facebook. Vous n'avez encore rien vu. Là, je suis encore calme. Hein. Je suis dans certaines de mes choses que je suis en train de faire. Pour le moment, je ne cours plus avec vous. Je marcherai avec pire. Attendez, regarde, suivez mon regard. Vous vous prenez pour les qui? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Vous pouvez diriger qui? Hein? Qui est-ce que vous pouvez diriger? Les vieilles bordels comme ça. Les chiennes, elles sont là, elles sont remplies en faux profil. Les vieilles mamans, vous ne pouvez pas ouvrir vos caméras. Jusqu'à on fait la serpillère qu'on appelle la lionne. Tu connais ton avenir? Tu connais ta vie avec un avenir en plein rempli d'obstacles. Hein? Bien supplié, on appelle le petit que tu supplies, que tu veux qu'il te baise ici là comment? La lionne, plus jamais dans ta vie. Never you try to pronounce my name over my dead body. Une chienne comme toi. Imbécile, tu te compresseur. Dis à tes trucs là. Hein? Je suis avec Lolo, je soutiens Lolo. Allez mourir. Achetez les tonnes de litres de Javel. Attendez, vous allez voir. Vous êtes malade. On vous dit que je suis achetable. Je vais donc me transformer en un garçon qu'on peut acheter. Quand vous pensez que mes réactions sont par rapport à l'argent, je suis un lion. Je n'ai pas, j'ai un entourage aujourd'hui qui ne peut pas avoir un problème de même 2000 euros. D'accord? Je dis même 2000. Je vais appeler à gauche, à droite, ça va sortir, je vais utiliser l'argent. Vous êtes folle dans vos têtes. Vous restez derrière les faux profils que quand les abeilles t'aidaient. C'est les vous comme ça, les lions. Tu n'es même pas en train d'ancrer dans la team. Tu parles déjà d'aider. Va regarder mon compte Facebook. Cette page a été créée en 2007. Facebook ne ment pas. D'accord? Et tu ancres dans YouTube. Imbécile, on me paye. Tu es malade. Les abeilles ont cotisé pour moi combien de fois? Que quand les abeilles t'aident. Ils ont cotisé. On te dit qu'on reste comme ça. Donc vous pensez, vous restez ici sur Facebook. Vous pensez que comme je vis là. Mon téléphone, si ce sont les abeilles qui ont acheté. L'appartement, si ce sont les abeilles qui payent. Mes habits, ce sont les... Vous êtes malades. Ils ont pissé dans vos têtes. Comment les chiens comme ça. Je suis là-bas. Donc, je supporte Lolo. Tata Lolo, je te supporte. Viens appeler même dans le live. Si tu es en live là, viens, je peux parler dans mon live. Je suis avec toi aujourd'hui, demain, après-demain. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes malade? Les chiennes, les bordels, les frustrés, les filles remplies de péchés, les choses même qu'on attache en haut du plafond. Vous venez parler mes choses. Vous pensez que ma vie tourne autour de Flore? Vous êtes malade? Je ne peux pas faire, je ne peux pas avoir une réaction. Vous allez tout le temps venir prendre ça. Que oh, et crête, le machin. Vous êtes, ce n'est pas Flore qui m'a mise au monde. Hein? Comment les bilans, bien. Je viens parler, parle ma chose. Oh, Flore, il fait ceci, imbécile, c'est mon corps. Elle contrôle mon sang. Hein?
J'ai dit, Flore, arrête tes conneries là. Écoute, la lionne. Là où vous, je veux que vous arrivez, si vous arrivez là, ça ne sera pas joli à entendre. Essayez. Je donne le défi. Essayez. Je veux prêcher l'évangile. Vous allez comprendre. Moi, je ne suis pas dans les histoires de... Je supporte le lot pour le coup-ci. Un homme n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit de vous réjouir. C'est son fantasme. Même si on la crucifie pendant... Là, quand elle fait le sexe. D'accord? Ce sont ses affaires. On a vu pire ici sur Internet. On a vu pire. Voilà. On a vu pire. On a soutenu le pire là. Jusqu'à avec la dernière énergie. Hein? Le pire qu'on savait que c'était vrai. On a vu pire. On est venu défendre ça. On a dit que non, c'est le montage. Essayez. La lionne. Quand j'ai dit aux abeilles là. Les abeilles avaient les cervelles frélatées. Comme je vous vois, vous jacassez, vous sautez là-bas comme les pop-corn qu'on a mis. On a mis dans la poêle avec l'eau. Ça fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Quand je vais verser la marmite, j'espère que vous aurez le courage de venir ramasser ce qui sortira de là. Continuez comme ici doucement. Et Flore, toi-même, parle à tes choses-là. Parle à tes bêtises-là. Je ne sais pas là où tu les recultes. Mais parle à tes conneries-là. Parce que ça ne va pas aller bien. Ça ne va pas aller bien. Moi, je ne nage pas dans l'hypocrisie. Je ne joue pas virtuellement et je joue derrière. Je ne joue pas deux matchs. J'ai un seul match. Essayez, vous allez comprendre la vérité. Je ne suis pas en train de blaguer. Je suis sorti ce matin. J'ai pris mon téléphone. J'ai dit que je veux soutenir Tata Lolo. Ce qui est de mon plein droit. Je n'ai prononcé à aucun moment. Je n'ai prononcé le nom de personne. D'accord? Ne venez pas faire là où vous cherchez la compensation, où vous cherchez quand on vous envoie les petits bons, les petits coupons. Je ne nage pas dans ça. Je ne nage pas dans ça. Quand on prononce vos noms dans les directs, quand ces gens viennent, parce que ces gens se permettent de venir m'insulter, parce que tu lèves. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne veux pas parler beaucoup. Hein. J'ai dit que je ne veux vraiment pas parler. Je ne veux pas gâter 2023. Moi, je ne gâte pas l'année. Mais si vous insistez, on va arriver là. D'accord? Si vous insistez, on va arriver là. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes. Chaque fois que vous venez, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Le jour où vous allez vous retrouver au sol, ne vous posez pas de questions. Je vous dis ça. Avec moi, c'est au quart de tour. J'accepte certaines attaques. Mais à ce que je me lève un matin, j'ai décidé que non, ça c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Niente. Tenez-vous tranquille. Laissez-moi en paix. Et enlevez-vous dans vos sales têtes que machin les aide. Je n'ai jamais fonctionné ici sur Facebook avec l'aide virtuelle. Vous avez cotisé pour moi ici là. Il y a les gens même qui ne sont plus les abeilles. Et mon premier cadeau, la majorité des gens qui ont cotisé à l'époque des abeilles, je ne parle pas des conneries, les guêpes. Les guêpes qu'on a, on a fait l'invicro là. Qui se font appeler abeilles. La majorité de ces abeilles aujourd'hui ne sont plus abeilles. La majorité. Il y avait entre les filles américaines qui faisaient les réunions avant, les Mireille et Boutou. D'accord? Donc, restez tranquille. Restez tranquille là où vous êtes. La lionne, ta grosse bouche qui est comme le cul d'une Dorola, hein? Ta large bouche, vaste comme Yaoundé Douala. Plus jamais. Je dis plus jamais, tu m'entends avec quoi? Plus jamais de ta vie, tu prouves tes ovaires sur moi. À mon maïoman, je vais te terminer. Dans moi les chiens là, vous me prenez pour qui? Ouais, bien vu ma tête. Dans ma culture, dans le village où je viens, Fanoyo, chez les Yanda, je suis un chef. Je ne fais pas comme ça devant quelqu'un. Je respecte quelqu'un. Quand tu veux me soumettre, tu te dis, attention, c'est moi la soumission. C'est moi qui soumets. Voilà. Oh, oh ma chère imbécile, vous êtes malade. Hein? Vous êtes malade dans vos têtes. La lionne se place tranquille jusqu'à les abeilles sont les commentaires partagent. Vous ne lui dites pas d'arrêter. Hein? Vous ne lui parlez pas les choses. Vous venez vous commenter. Vous me faites pitié. Toi, ben, quand le cul de ta main avait les asticots, c'est ça comme les épluchures de mangue. Samba bi ton an nyoye lang samba. J'étais banni et bloqué. Tchei lang an bi bebi soya tchei.
Une chienne. La lionne, c'est qui? Regarde-moi une tumbabunga. Une chienne, une fille qui reste au Cameroun. Elle réfléchit que ce qu'elle peut faire pour métier, c'est de venir faire le tindaïsme. Regarde-moi la bordel là. Tu as tellement la poisse. Regarde-moi une poisseuse comme ça. Avec tout le... Tu tapes le gens ensemble sur toi comme ça. Concentre tout ça sur les petits placements que tu fais. Hein. Que la lionne avait le gros nez comme si elle a fait la greffe. Tu payes les taxes de respiration. Visage ovale, couki la grenouille, un bel an oisout. Faut voir la chose même. Je vais se placer. Oui, B appelle. Si tu savais comment tu es dégoûtante, les bordels, les cibleuses. Elle est en train de chercher là, la personne qui va lui ouvrir la route pour arriver ici. Là. Flo me fait même souvent pitié, même par moment. Les filles comme la lionne, comme ça. Si la lionne est en bain, elle ne parle pas avec toi. Tes trucs qui viennent souvent. J'ai dit que les trucs comme la lionne, comme ça, si la lionne est en bain, hein, elle va déjà d'abord croire qu'elle est toi. Tes gens là, ils veulent souvent venir pour prendre ta place. Tes dangers sont là-bas. Les abeilles qui sont parmi les frères du village là, quand leur soeur fait apparition quelque part, ils vont tout faire pour la propulser. Que, oh Flore, l'autre te supporte, l'autre se défend de là-bas. Les chiennes comme ça, vous vous prenez pour qui? Je vis de vous, je vis sous vos gousses. Un des débuts que vous ne m'avez pas donné, comme vous dites que soi-disant, on vous dit que je suis compresseur. Je suis arrivé en Europe en 2016. Je n'attends pas que j'aurai 60 ans pour avoir le contrat de bail. Que... Là où je suis là, il parle fort, c'est chez moi. Je parle, il quitte encore ici, pas encore Luxembourg, il parle fort, c'est chez mon mari. Même chez un vieux blanc, vous n'avez pas pu rester. Les filles comme les Coco Lago, les compresseurs, les maudites, les restes des filles. Compresseur, tu viens te placer sur Internet. Tu ouvres ta laide bouche, le cerveau vide, avec les yeux qui regardent à côté, à gauche. Hein? Tu sens un dourgum, mais la tête, il n'y a rien dedans, à part les pupilles, les spermes de lieu, c'est un mois-ci. Elle vient se placer. Oui, tu veux que je t'attache? Femme indigne, tu devais te cacher. Hein? Tu as volé le mari à une de tes abeilles. D'accord? Tu as volé à une de tes fans. Tatiana, c'était ta copine. C'est ce que le Congo ça dit. De copine à rivale. Hein? Une femme comme toi, tu n'as rien à dire. Quand les gens parlent, tu es une sous-personne. Tu es une tiède. Donc, tu es zzz. Ok? Tu peux venir sauter. Le seul homme que tout le monde entier sait qu'il est pour toi. Et de toute façon, tu vas d'abord retourner avec lui. Il s'appelle que Achille Dikolo. C'est le seul homme qui peut te supporter. Dans tout ben. Parce que lui-même avec qui tu es là-bas, il voit toujours sa femme Tatiana. Et c'est avec Tatiana qu'il va finir. Va supplier ton mari Achille Dikolo. Il n'y a rien dedans. Tu repars. Je connais les gens qui sont rentrés en mariage comme ça. Parce que tu es en train de faire là. Tu vas rendre l'âme là-bas. Si je manque. C'est même parce que par amour pour toi, c'est un conseil. Hein? Je ne te clash pas. Mais je te dis tout de suite que tu n'as pas le droit. You don't have any right de venir te moquer de ta soeur. De ta soeur Lolo. Parce qu'à l'époque, Flo qui est yamseur avec toi, copine, copine, si tu faisais des alliances machiavéliques avec cette Lolo-là pour combattre Flo. Rien que pour ces alliances-là, j'ai pitié de toi, j'ai pitié de ceux qui te font, j'ai pitié de ceux qui t'appellent leur ami. J'attends votre épisode sur Facebook. Hein, voilà mes deux babouches ici. Votre épisode, ça va arriver ici sur Facebook. Et ne te dérange pas, compresseur, quand ça arrivera, toi, je vais entrer dans ton camp que tu seras exactement cette période-là pour te soutenir. C'est de là où toi et moi, on sera amis. Parce que j'ai compris le game de Facebook. Facebook, il n'y a plus de que non. Je prends la vie de l'autre. Il n'y a plus d'avis. À la guerre comme à la guerre. Donc, j'attends la partie que j'attends. Là, c'est ça, ça sera notre, c'est là où notre alliance va se nouer. Parce que je sais que ça arrivera ici. Tu viens te placer avec les mains brûlées. Subitement, tu nous as sorti deux tatouages ici. Parce qu'on t'a battu, on t'a brûlé les mains. Va porter plainte. Tu ne peux pas porter plainte parce que le gars, il est sur ceci. Nous aussi, on va ressortir les vidéos. J'ai les vidéos là qu'on m'avait envoyées ici. Tu as le sang partout. Tu es à la maison. Tu pleures. Il y a le sang comme ça. Oh, il a failli me tuer. Vous êtes venu nous mentir. J'ai ça. J'ai ça, compresseur. Dis-toi que c'est plus crado à voir. Ta mère, est-ce que quelqu'un m'a monté un verre là? Je veux voir quelque chose. La chienne qu'on appelle la lionne, elle vient ouvrir le cul. Elle ouvre les fesses. Les fesses qu'elle fait l'amour avec. Hein? Les fesses qu'elle poussait de Mbopi. Hein? Même moi-même qui est un garçon. Les fesses qu'elle poussait de Mbopipine. Elle ouvre ça. Elle parle mes choses. On l'appelle la lionne. Elle dit qu'elle va se marier avec Loïc Chapuis.
Continue de rester dans ton rêve. Ne te réveille pas. Hein? Ne te réveille pas. Quelle mère va accepter qu'une fille de Facebook... Tu ne sais pas que nous qui on est sur Facebook comme ça, ce n'est que la pitié et la chance ou bien le blanc qui nous aide comme ça pour nous épouser. Quand elle voit un blogueur aller supplier le mariage chez les noirs, lui regarde et rit. Je lui regarde, je ris. Le gars là peut t'aimer, mais tes soeurs. Donc tata Lolo, toi-même, sors là-bas chez papa, faut déjà libérez-vous. Il n'y aura pas mariage là. Je suis fatigué. Toi-même, tu déranges ma personne. Tu déranges. Tu ne peux pas être dans le concubinage plus de 10 ans. C'est quoi? C'est le Seigneur des Anneaux. Hein? Que oh, on est fiancé. Fiancé comment? Fiancé pourquoi? Pour quelle raison? Au nom de quoi vous êtes fiancé? Au nom de qui? Qui a dit ça? Hein? Et puis les choses comme ça, on entend ça dehors. Non, quand vous êtes fiancé, restez à la maison. Fiancé à la maison. Faut pas aller fiancé dehors. Non. Le fiancé là peut aussi t'attacher si c'est ce que tu aimes. Je n'ai pas apprécié la partie là, ma personne. Tu sais que tu es ma personne. Entre toi et moi, on avait signé notre contrat d'amitié que chacun parle ce qu'il a à parler. Il n'y a pas le secret. Tu ne parles pas de mes gens, je ne parle pas de tes gens. Mais quand quelque chose nous concerne, nous deux, tu parles. C'est comme ça, non, ma personne. Je te tape sec. Papa, faut excuse-moi. C'est que c'est ma personne, ça me fait mal au cœur. 14 ans de vie, on reste. C'est trop. C'est trop. Sans laisse. On laisse. Tata Lolo laisse. Je vous ai dit que je ne sais même pas pourquoi vous aimez forcer, vous les mères de Bengsi, vous me faites pitié. La seule, votre sort, c'est le blanc. Tournez comme vous allez tourner là. Les petits gars là vont vous taper comme ils vous tapent dans les maisons là. Correctement, soit des coussins. Ils vont vous fouetter les pères là. Les pères là, leurs familles les attendent, eux-mêmes avec les femmes blanches. Ils n'attendent pas les bordels qu'ils voient sur Facebook. Une blogueuse chic, elle cherche le gars noir. Vous me faites pitié. Si je parle, on va dire qu'elle parle les choses des filles. Moi, alors, ici, que je suis un homme. Je peux décider qu'elle quitte là et part d'un village où il n'y a pas la connexion. Je m'en vais, j'épouse une femme là-bas. Elle va venir savoir ce qu'on fait si là. Elle a accouché même 3 enfants. C'est ça. Je ne sais pas. S'il vous plaît, partagez le direct si je suis déjà revenu. Compresseur, comme tes guêpes. Tes guêpes. Viennent me chercher les poux en boélan. Je suis revenu alors. C'est toi qui vas subir. J'ai le numéro de Flore. Si quelque chose m'énerve, je vois le voice à Flore. Elle va écouter, elle ne me répond même pas. Après un jour, elle va m'appeler que ouais, ma personne, je ne suis pas dans vos problèmes. C'est ma personne. Et je parle de sa chose comme je veux. Oui, oui. C'est vous qui restez, vous faites l'amitié des vues, l'amitié des étoiles. Flore, ma personne. Est-ce que tu peux venir témoigner devant les internets en tant que les bons liens qui nous lient? Flore, la reine mère, j'étais déjà appelé un jour pour dire que hey, la reine mère, comme tu me vois là, je n'ai pas mangé. Ouais, la reine mère, c'est chaud. Donne-moi, envoie-moi quelque chose. Toi-même, tu connais comment toi et moi, on est dans l'amitié. Hein? Quand tu viens à mes anniversaires, si je vois ton sac, je dis que la reine mère, achète-moi ça. C'est la fête. Mais jamais à distance. C'est les lions comme ça. Comme Flore les a reçus, elle pensait que non, ça lui donne le courage de m'insulter. Ça ne te donne pas le courage de m'insulter. Parce que le lien que moi j'ai avec Flore ici sur terre, ses combats les plus durs, on a essuyé ça ensemble. Même si on était en regret, on a essuyé les combats ensemble. Vous avez dit quand? Voilà les autres qui sont venus avant toi. Les Borosangi, nous on les a vus ici. Elles sont où aujourd'hui? Les Marie Larose, elles sont où? Les gros nez, celle qui a le gros nez là, Patricia Mel, le gros nez comme la devanture du bus. Hein? Les gens qui doivent payer les taxes de respiration. Je ne sais pas. Si quand la mort s'y passe devant certaines portes, les gens même que nous on les a dit, ils ne prennent pas ça. Mes condoléances à toute la famille de Céline Ladouane. Je veux venir là-bas à la veille là. Mm-hmm. Et je veux venir avec mon gaz lacrymogène. Comme vous venez souvent dans les veillées des gens, vous venez pour faire les problèmes, je vais mettre dans vos yeux. Celui qui va faire les problèmes avec moi, je mets dans ses yeux. Et je ne prends pas le couteau, ça n'entre pas à la salle. Le bic, le stylo, ça perce aussi bien le corps. Je mets souvent ici là. Je te laisse le stylo ici. Tant que tu fais, aïe, moi je suis parti. J'ai tous mes gars dans Gabo, ils ont la voiture, le... Hein? On couvre loin.
Tu vas nous poursuivre là-bas. Lolo, sors de la maison là. Ou bien papa, faut déjà sortir parce que c'est la maison de ma copine Lolo. Moi, parle la vérité, Lolo. Si tu veux, tu te fâches. Les gens ont dit là que c'est sur papa, faut déjà non. C'est ta maison. Hein? Hygiéniquement d'abord. Hein? Pourquoi la connexion s'est faite comme ça aujourd'hui? Hygiéniquement déjà d'abord. La lionne en tant que garçon, je vais vous montrer ce que j'utilise. Vous êtes allé étudier les produits de Karine Mongoué. Hein? C'est ça. C'est ça qui me fait prendre toute la confiance. C'est l'avoir pour le corps. Voilà, c'est ici. Je mets sur mon corps. Je suis ici en Europe. Hein? J'habite en Europe. Respecte-moi. Je suis passé par la mer Méditerranée pour venir vivre ma gloire. Alors, il est inadmissible, hein, qu'une petite écervelée qui fait ses premiers pas dans la vie active. Je ne sais pas ce que tu vends, je t'encourage de toutes les façons. Donc, achète ça à ton gars qui t'épine les vieilles fesses secs, là. Je vais mettre, vous allez voir, ça va me rafraîchir le visage. Vous savez, même quand tu es laid, il y a parfois, tu es laid, là, tu vois. Il y a des petites choses comme ça. On appelle ça que les astuces. Vous allez voir. Dans quelques minutes, là, il serait des apos. Regardez. Oh. Tout ça, c'est Karine Mongoué. Je suis ici, là, j'ai la valeur même plus que les gens qui sont au Cameroun. C'est moi, toujours moi. Hein? C'est encore moi. J'ai pris en considération. Regardez, voilà, vous avez vu la beauté là, elle vient d'arriver là, non? Ce n'est pas les gens comme la lionne, comme ça. Une femme, elle est une femme, on ne sait pas. Par moment, elle ressemble à un travesti. Par moment, elle ressemble à une femme que elle a la maladie du foie. Elle gonfle seulement. Par moment, tu ne sais même pas ce qu'elle est. Je vois ces jours-ci, elle a plus le poids. Ou bien c'est la nourriture des gens qu'elle a mangé de maison en maison pendant les périodes de Noël. C'est là que je ne sais pas. La lionne, tu ne peux pas me parler. Hein? Au ce qui y a, jamais de la vie. En tant que femme ou bien en tant qu'homme, tu n'as aucun mot. Tu ne connais même déjà pas laver la foufoune. Et tu oses ouvrir ta gueule sur moi? Va attendre l'imbenguis, espèce de tinda. Va attendre l'imbenguis. Les petits gars qui te mentent, les petits faux profils, vous voyez. Toi, tu crois qu'un homme qui est dans les histoires, les choses de Congo, ça, des femmes, il va partir où avec toi? Hein? Il connaît la femme au sens propre, il va partir où avec toi? Je vais te poser la question là aujourd'hui. Là, on n'est pas dans les clashs. Hein? Homme, qu'il soit hétéro, ou bien ce qu'on pense là, ou bien ce qu'on dit là, qu'il soit ça, dans la vie ici. Tu penses qu'un homme qui s'attarde sur des petits détails comme ça peut faire de toi sa femme? Ta large bouche qui est là-bas comme le bateau qui est beau sur ça là. Hein? Tu vas remplir sa maison avec le bavardage, le mensonge. La qualité de femme qu'on vient toi appeler d'aller témoigner les choses de Congo. Ça, une chienne est là en Europe. Elle parle les histoires des gens qui se passent ici en Europe, au Cameroun. Hein? Elle est au Cameroun, elle parle les histoires des gens qui se passent en Bain. Elles sont une bande de femmes ratées là comme ça. Elles sont nombreuses. Il n'y a pas que la lionne seulement. Elle veut dire qu'elles ont les amis. Elles sont les blogueurs. Maurice Abanda, salut. Elles vont dire qu'elles sont les blogueurs. Elles font les clashs avec eux, les Baflor de Lille, les Nivakien. Je clash avec eux, non. Regarde votre palmarès. Nous, on a pensé de faire... On a pensé de faire ces choses-là. Quand on était déjà en Europe, nous-mêmes. Là où je suis ici, je ne vois pas en quoi vos gens que vous avez tous sur Facebook réunis là. Je connais la réalité de Mbeng. Beaucoup là, la majorité des chaussures et des sacs qui portent des faux trucs. Ce n'est que les gens comme vous que ça peut blaser. Je connais la réalité, je connais la vérité, je connais ce qui se passe, je connais le fonctionnement, je vis dans ça. Il n'y a que les petites cervelées comme vous comme ça, hein, que ça peut monter dans la tête. Que ça peut leur surprendre. Là où je suis, si le nom que j'ai aujourd'hui, Nivakin, que vous voyez sur les réseaux sociaux, je peux manger dans certains restaurants aujourd'hui, Ndjo, comme beaucoup font là. Il mange ici, là, Ndjo, il va payer, manger le nom. Mais comme je ne suis pas un gars qui met la gratuité, pour faire taper ma sauce d'arachide, comme mes papayes, ça les mange, c'est ma sauce d'arachide. Ce n'est pas le crédit qu'on va me dire que, ouais, il y a ton nom ici dans le cahier, il n'y a pas mon nom. Je ne suis pas dans la liste des bavards là. Hein? Celle qu'on appelle la lionne, elle transpire là comme le phoque. Elle transpire comme le phoque qui vient de s'échapper de sa mare d'eau. Une fille tu es au Cameroun. Hein? Moins cher. Quand les déodorants sont là-bas, tu ne peux pas apprendre comment on met le déodorant. Ce sont les choses. Moi voilà Nivakin.
Un homme, je parle depuis là, tu n'as pas vu l'eau couler, tu n'as pas vu les masses d'eau jaillir. Mais dis-moi, koro, ame kanmanga kuwa besel. Tu n'as pas vu ça. Hein? C'est à cause de ça. À cause de ça. Karine Mongwe, la gamme, c'est 25 000. J'ai mis le numéro là où vous pouvez avoir tout ça. C'est dans la page là. Vous partez regarder là-bas. Vous achetez. Les gars de tuyaux que vous passez le temps à voler, vous appréciez. Tu choisis ton gars comme ça, même à la porte de la chapelle. Hein? Non, la vie avancée, ne riez pas. Tu arrives à la porte de la chapelle. Les gars là sont beaux, c'est que c'est les moyens qu'il n'y a pas. Moi-même, si j'étais encore dans la vie d'avant, les patins que prennent ma part là-bas, parle-moi la vérité. Tu arrives là-bas, tu regardes, tu vois celui, celle qui aime les grands de taille, il a le goût de tout le monde. Tu prends alors un là-bas, tu l'amènes chez toi, il se lave bien. S'il n'a pas les habits, tu l'amènes chez Primark. Primark, ce sont les habits que les hommes vous graguaient avant au Cameroun. C'était que quand tu entends que mon gars m'a acheté un petit pull, ce sont les habits au niveau de Primark là. Moi-même, je porte Primark, ça, j'ai acheté ça là-bas. Qui va connaître? Hmm? C'est la marque aussi. C'est vous que vous êtes arrivé au Cameroun, vous souffrez d'abord. Même l'habit de Mbopi, vous n'arrivez pas à vous offrir. C'est ici que vous venez crâner. Donc, tu amènes alors ton gars là-bas, tu lui fais les courses même de 200, ça va te coûter moins cher. Puis maintenant, vous commencez à parler comment il va avoir son Kaolo. Si tu ne connais pas, tu me téléphones. Il vient, s'il est beau, je viens, je lui fais bisous. On fait les photos. Il demande aussi sa part à Longunda, qu'il est comme tu connais là. Mais même comme c'est toi qui vas dormir avec lui. Hein? Ils sont nombreux là. C'est ça qu'ils ont fait. Il va alors vous crailler. Ils sont nombreux. Pédés dans leur papier, hétéro dans leur vraie vie. Mais c'est tous eux qui veulent se fâcher. J'ai dit la messe, si vous devez nous supplier. Si je connais, je crailler. Dès que je connais, commence à te graguer. Tu refuses et crailler. Oui, vous allez nous goûter. Rien que pour nos 5 ans, 5 ans qu'on vous donne ici là. Vous allez ou bien vous nous respectez, ou bien on fait l'amour. Ou bien vous remettez les papiers alors. Il n'y a pas de souci. C'est quoi ce manque de respect? Ils sont là avec les gros 5 ans. Hein? Ils font venir leurs enfants. En Belgique, ici, le regroupement familial, quand on te donne l'asile, le regroupement familial, c'est 4 mois. Même si tu as 6 enfants, ils sont posés ici en 4 mois. L'État te prête même encore l'argent pour payer le billet d'avion. Et vous venez, vous ouvrez vos bouches. Je suis fâché. Je ne suis pas content dans la vie. Je vais vous gaguer. Vous allez me goûter un peu. Même si c'est que tu mets ce mandat, mais un comme ça, tu goûtes. Au moins, ton papier va prendre son sens. Moi, je suis en Europe, la Lyon. Tu ne peux pas te parler mes choses. La vie que tu as là, je peux me l'offrir. Comme et quand je veux. Ta misérable petite vie de Mbopi là. Hein? Ou bien c'est le sable. Il fait quelle saison dans là maintenant? Il doit faire très chaud. Je pense que c'est la chaleur. Tu as même la clim. Oh, tu as la clim. Tu parles les choses de Nivakin. Un bon touillant à Noazout. Une chienne avec la grosse bouche. Tu ne peux pas venir parler des choses qui minent la société camerounaise. Tu es assise au Cameroun. Ton blogging est porté sur l'Europe. À quel moment est-ce que tu bloques pour ton pays, le Cameroun? Tu ne peux pas parler. Voilà, Bruno Bidjanki est décédé au Cameroun. Paix à son âme. Franchement, je me fais mal. J'aimais beaucoup le monsieur là. C'était pour moi mon... Je l'aimais beaucoup. Pas Bruno Bidjanki. Martinez Zogo. Hein? Eh, pardon, Bruno Bidjanki. Excuse-moi, maman, ta femme peut même me lancer le son là. Qui va me planter, qui vient maintenant de signer sur ça comme ça. Excuse-moi, c'est l'aptus. Hein? Je n'aime pas ça. Tu peux parler de Martinez Zogo. Voilà les choses qui sont. Parce que nous, on ne comprend pas. Ça s'est passé trop vite. Mais moi, j'ai vu le père là parler comme ça. Il croyait même qu'il était peut-être aux États. La Lyonne, il y a les choses qu'on ne parle pas dans la vie. Reste tranquille. Il fait très chaud, voilà. Je comprends. Tu es la chaleur. Si elle l'a ajouté, alors l'alcool en haut, c'est grave. Père de son âme. Martinez Zongo. Ça m'a touché, ça m'a crispé le cœur. Je vous dis. Voilà les choses que tu dois parler. Tu peux parler des cartes d'identité. Hein? J'ai vu dans une école là au Cameroun, dans un village là, le prêtre là, il a transformé les élèves lui cherchent le bois. Ils ne donnent pas cours. Le premier de tout l'établissement ne connaît pas écrit son nom. Donc on partage seulement les moyens aux gens. Parle de ça. D'accord?
Il faut parler de ça. Moi, je peux parler des bordels. Je peux parler de ces gens. On est ici. Ça, c'est notre karma, notre calcio. On est ici dans notre réalité. On peut parler de ça parce qu'on maîtrise ces sujets. Tu connais Compressor où? La bordel qu'on appelle Compressor. Tu connais la chaîne là où? Est-ce que tu sais qu'elle faisait le camion à lieu saint mois-ci? À l'époque, elle insultait Flo, que c'est Flo qui est une prostituée. Et qu'elle, elle est une femme exemplaire. Jusqu'au jour, hein, la vie a fait en sorte qu'on l'a trahi. On est parti la trouver à lieu saint mois-ci en train de grimper le camion. Hein? Vous voyez la vie? C'est ça. Coco Mimba, je voulais te conseiller, si tu n'arrives pas à louer, vends ta voiture, tu achètes au moins un camion. Ça te sert de maison et ça te sert de bureau aussi. Ou à garer dans les autoroutes. Et que de subir la honte comme moi, quoi, ou à vos soins, vous me saisissez. Une vieille mère comme toi, 58 ans, on te chasse encore. Hein? On te chasse encore, parents d'enfants français. Voilà les autres. Quand on va parler, on va dire que Nivakin. Enlève-toi dans la tête, la lionne. Si toi, tu es venu dans les histoires des PDG ou des abeilles, là, que... Si tu es venu dans ça, que tu es venu avec un but bien précis, je te rappelle que tu parlais, les abeilles qui t'ont dit qu'ils ont cotisé, là, je connais bien. Moi, tu sais, quand quelqu'un fait quelque chose, je ne supprime pas mes postes. Il y a encore les noms des gens qui avaient cotisé dans mon litige, là, tout encore. Il suffit juste seulement de rentrer vraiment en bas. Et ça, c'était en 2018. Nous sommes en 2022. Hein? Là, nous sommes en 2022. Et comment est-ce que j'ai pu survivre jusqu'à maintenant? C'est comme pour te dire que des cadeaux, on accepte des cadeaux dans la vie. Mais en réalité, je ne suis pas ici. Non, il a décédé, on a découvert son corps. En réalité, je ne suis pas ici sur Facebook pour insulter. Je ne fais pas partie de la catégorie des blogueurs qu'on contacte, qu'on paye, qu'on te paye 200. C'est Compressor, c'est votre île écrée là qui est comme ça. La chose là, celle qui a les bras brûlés ici là. L'île écrée avec les pipis dans la tête. Hein, les ndamba. La pipe et l'amour, 40 euros. C'est elle qui est venue entrer dans les clashs. Je suis venu entrer et je vais vous rappeler... J'aimerais causer avec moi en eBay. On va causer de quoi? Moi, je ne cause pas avec les faux profils. Si tu veux causer de moi, tu parles là, ici, là. Tout le monde écoute. Parce que vous, les faux profils, là, vous êtes comme ça. Moi, je ne veux plus rien avoir. Je ne veux plus aucune collaboration avec les faux profils. Je ne veux plus. Donc, si tu as à me parler, même si c'est mon Congo, ça. Même si c'est mon Congo, ça, tu parles ici. Tu vas voir l'autre saleté qu'on appelle Nicole. Une sale fille. Je ne sais même pas quand elle ouvre sa à cœur ouvert avec Nicole. Une déchet. Je n'ai jamais vu une femme sale comme ça. Non, mais Nicole, ne dis plus que tu es camerounaise, hein, s'il te plaît. Ne dis plus ça. Ne dis plus que tu es camerounaise. Pardon. À cœur à Saloto de Nicole. Hein? À cœur à Ezakam. À cœur à poubelle de Nicole. La chose qui est dans un village perdu en Sicile, là-bas, dans le camp des réfugiés, les maisons que les mines que l'État donne souvent là. Hein? Elle ne peut même pas chercher même un clochard, un clodo italien. Tu peux pas lui faire les piches. Tu as encore la beauté brute sale. Concentre-toi pour te laver. La chose qu'on appelle Nicole. Tu pues, tu dégages. On arrive à voir ta saleté même dans les directs. Et c'est toi qui es tout le temps en train de vouloir venir te mettre au même niveau. Quand tu regardes une femme comme Lolo, je ne vais pas mettre Fodja dedans. Comme une Lolo, rêve, Lolo Mbiaï. Ne mets pas Fodja dedans, dis donc. Ce n'est pas son nom. Elle s'appelle Mbiaï. Elle n'est pas une bâtarde. Si tu veux trop le nom. Hmm? Une sale femme comme ça. Une chienne. L'autre saleté, Nicole, là. Bien sale. Le temps que tu perds, hein, tu peux acheter ce gommage, c'est 25 000, même les femmes utilisent ça. Une femme qui a une peau dure comme ça, comme le caïman. Hein? La peau en un kawab vienne, elle est là comme ça. Elle se passe, hein, avec son jean, les habits de l'association, dis donc. Elle avait mis l'ensemble jean, le truc là ne lui suffit même pas. Elle est là avec le truc, elle est serrée là comme ça. Les habits de la Croix-Rouge. Tu viens parler à une femme qui entre chez Céline, elle achète les sacs à 700 euros. Hein? Tu viens parler.
Non, mais il faut souvent mesurer les adversaires. La lionne, là où tu es là, c'est même pas un jour si tu vas arriver.